Cher, quel terme doit-on utiliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus du trône, ou alors est établi sur le trône, ou est au-dessus du trône? Tfadal, cher. Élevé au-dessus du trône, c'est la meilleure. Et au-dessus du trône. Au-dessus du trône vient en deuxième position. Et sur le trône, mauvaise. C'est une mauvaise phrase. Il est sur le trône. Car certains vont croire que il y a un toucher. Allah Ta'ala est sur le trône, comme moi je suis sur ma chaise. Si on enlève ma chaise, je vais tomber. Mais quand on dit il est élevé au-dessus du trône, ou bien au-dessus du trône seulement, ça n'implique pas le toucher. C'est comme je dis, le plafond est au-dessus de ma tête. Et pourtant, alhamdoulilah, le plafond ne touche pas ma tête. Et je dis, le ciel est au-dessus de ma tête. Alhamdoulilah, il ne touche pas ma tête. Mais si je dis, le plafond est sur ma tête, ça veut dire que c'est moi qui suis en train de tenir le plafond avec ma tête. Naam. Wallahu azza wa jalla a'lam, tafadhal. C'est bien comme ça des questions dans la aqida. On sort du chien, et on va aller à la aqida. Tafadhal.